Bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass avec Bettina Mas, qui est formatrice professionnelle, consultante et conférencière, et elle va nous parler de finances. Alors, si vous tremblez, si vous êtes là, ça vous met mal à l'aise, c'est peut-être le signe que vous êtes au bon endroit. Et puis Bettina, avec son sourire, son énergie, sa bienveillance, elle va nous apporter énormément de valeur. Et moi-même, je suis prêt à apprendre beaucoup de choses de ta part, Bettina. Donc, merci pour ta présence. Si tu veux bien continuer un peu à te présenter, qu'on sache d'où tu viens, ce que tu fais. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Merci en tout cas d'être là, Bettina. Ah bah super, Lingen, bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde, c'est un plaisir d'être là avec vous. Donc moi, c'est Bettina Mas, donc j'habite en région parisienne en France. Et donc, je suis effectivement consultante, formatrice et conférencière dans la gestion des finances. J'aide les hommes et les femmes qui ont un projet en tête, projet personnel comme achat immobilier ou projet personnel comme création d'entreprise, à être au clair sur leurs idées, également sur leurs finances et passer à l'action. Voilà, parce que c'est un peu finalement l'histoire de ma vie. Pour les finances, en tout cas, vous savez, moi, je suis du Congo et donc j'ai vécu la guerre de mon pays. Et donc, mes parents se sont dit, écoute, on va t'envoyer en France pour que tu puisses t'en sortir là-bas parce qu'ici, ça va pas du tout. Et donc, j'arrive en France à l'âge de 14 ans. C'est ma soeur qui m'a accueilli, ma soeur aînée. Et là, toutes les deux jeunes, en fait. Et donc, les parents étaient en guerre au pays. Il fallait qu'on puisse se débrouiller avec le peu qu'on avait. Et donc, ce qui fait qu'on a dû connaître aussi pas mal de galères et travailler, faisait des boulots la journée, la nuit pour prendre soin de moi. Et en fait, voilà, c'est ça. Et j'ai vécu, vous savez, j'ai connu le manque, mais j'ai connu aussi, en fait, le fait de pouvoir... Vous savez que vous avez de l'argent chez vos parents, mais vous pouvez pas recevoir parce qu'il y a la guerre qui fait qu'on n'a pas accès à eux, en fait. Et donc, on a dû grandir comme ça. Bref, en tout cas, tout ça pour dire que je sais ce que c'est que ce sentiment... où on travaille tous les jours aussi, mais on a l'impression qu'on ne va pas notre argent. On se demande, mais où passe mon argent finalement? Et à côté de ça également, j'ai toujours eu à cœur d'aider des gens qui avaient des projets. Je suis passionnée par la mise en relation, par le contact humain. Et donc, dans mon domicile à l'époque, j'organisais des sessions, aujourd'hui on dira mastermind ou masterclass, où vraiment je rassemblais les personnes qui avaient des projets. Et puis donc, je les mettais en relation selon leurs besoins. Et un jour, donc, j'ai senti qu'il fallait que j'aille plus loin que ça. J'allais me mettre en ligne, mais j'avais tellement peur. Oh, peur de quand on dira tant, peur de quand on pensera tant et tout. Et un jour, j'ai dit non, stop. Et donc, je suis passée à l'action. J'ai créé une page Facebook et après des lives sur Periscope. De fil en aiguille, j'ai créé un blog et puis finalement, je suis là. Donc, moi, pour le coup, j'entreprends, c'est vrai, depuis bientôt 3 ans, mais c'est vraiment des gens qui m'ont poussé à entreprendre. Dans le sens où je me suis pas dit, je dois entreprendre, je dois me lancer. C'est plutôt, j'ai commencé à aider les gens à travers mon blog, mes pages Facebook. Mais après, du coup, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Ouais. C'est-à-dire que j'avais mon boulot à côté. J'étais assistante de gestion depuis maintenant 8 ans. Ça faisait 8 ans que j'y étais. Et le soir, je rentrais à la maison. J'avais des mails comme ça. Oui, madame, bonjour, je suis au Cameroun, je suis en Côte d'Ivoire, en Suisse, bref. Du coup, je les conseillais sur leurs finances, sur leurs projets et tout. Et en vrai, ça prend de la place, quoi. On se dit, bon, je fais quoi là? À un moment donné, il faut créer un cadre juridique à tout ça. Et donc, je me suis lancée. C'est vraiment pour répondre à cette demande-là des personnes qui voulaient que je leur parle de mon vécu et de comment je fais. D'où tu trouves cette passion, cette générosité à aider les gens? Parce que tout le monde n'a pas cette envie-là, même en passant par les mêmes galères que toi. D'accord. Je pense que, alors déjà, c'est mes valeurs. Mes valeurs, c'est mes parents qui m'ont transmis ça, c'est également ma foi, parce que je suis une femme qui croit en Dieu. Et c'est vrai que, pour ma part, je pense toujours que on a reçu pour donner à notre tour. Si je peux, par mon expérience et mon vécu, faire gagner du temps à quelqu'un, je le fais avec plaisir. Donc, c'est quelque chose qui est dans mon cœur, c'est, voilà, c'est ça. C'est ma foi, c'est mes valeurs, c'est ma famille. Et beaucoup de partage. Alors, tu sais quoi, j'ai coaché un client qui était originaire du Congo aussi, peut-être. Il m'a dit, en tout cas, il m'a dit, hein, je sais pas, il m'a dit qu'il y a la culture dans les pays d'Afrique à beaucoup donner, mais tout doit être gratuit parce que c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est quoi ton expérience, ton avis, ton vécu? Parce que comment t'es passé de ce mindset où j'aide et à cet état d'esprit où je vends aussi maintenant? T'étais pas obligé de vendre et pourtant, tu t'y es mise. Exactement. Et justement, ça a été un de mes freins. Parce que, parce que la frontière entre semer, donc donner et vendre, enfin aider, simplement, elle est très fine.
Alors, donc, je pense que, en tout cas, c'est pas que en Congo, c'est partout, même en France, hein, c'est partout cette mentalité-là. Je pense que c'est d'abord parti de moi. Quand j'ai changé mon mindset à moi, je me suis dit que quand quelqu'un, pourtant, alors ceux qui galèrent sont les mêmes qui vont aller acheter une baguette, qui vont aller acheter un vêtement, des chaussures ou autres. Et pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas être payé pour ce que je fais? Après, c'est vrai que comme c'est un domaine un peu abstrait, on dit conseiller, aider. Ça a l'air tellement, oui, mais bon, qu'est-ce que tu ferais? Enfin, je pense que c'est à nous. Donc, c'est quand j'ai expliqué aux personnes ce que je fais réellement dans les coulisses. Tu sais, 1 heure de formation, là, ça me demande de faire ça, 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 ça et ça. Ah bon? Oui, c'est des heures de recherche, de formation. Je pense que c'est à nous. En tout cas, moi, pour ma part, c'est quand j'ai expliqué aux personnes réellement en quoi ça consistait ce que je faisais. Et aussi quand j'ai pris conscience que finalement, je ne suis pas la réponse pour tout le monde. C'est qu'il y en a qui vont dire, et ils le font encore, hein, oui, mais bon, mais c'est cher et tout. Mais d'autres disent, non, j'en ai besoin, je paye, quoi. Donc, moi, je m'adresse à ceux qui sont prêts à investir en eux. Mais c'est vrai que tout part d'abord de nous. Si on pense qu'on ne payera pas, on ne payera pas. Mais si on croit que on doit nous payer, on nous payera. Donc, moi, je suis passée, mais même là, ben, c'est grâce à toi, hein. Lingen, depuis que je te suis, je disais à ma communauté en ligne que je suis passée là en moins de 6 mois. Mon chiffre d'affaires a doublé, quoi. C'est-à-dire que grâce au livre Professeur Coach, qui m'a chamboulé avec les coachings, je me suis dit, mais c'est pas possible. En fait, je peux mettre des prix haut de gamme. Maintenant, je le fais et je les assume, en fait. Les 3 000 euros, 5 000 euros. Mais avant, c'était pas possible. Mais il y a 6 mois, je me disais encore, oui, non, mais donne ce que tu as. Là, ça a changé. Parce que j'y crois et je l'incarne. Et forcément, j'attire à moi des personnes qui sont prêtes à payer. Et d'ailleurs, dans la Bible, parce que tous les deux on est chrétiens, il y a tout travail mérite salaire en fait, parce que tu le mérites. Je veux dire, je trouve ça vachement intéressant ce parallèle que tu fais. La personne qui veut pas te payer à côté, elle va aller acheter des belles chaussures de toute façon. Donc pourquoi? Surtout que l'aide que toi tu apportes, elle est hyper précieuse. Je dis pas que des chaussures c'est pas utile, mais donc en tout cas, bravo d'avoir fait ce shift. Et je pense que c'est aussi un exemple, d'autant plus que moi, je connais beaucoup de chrétiens parce que voilà, moi, je le suis aussi. Il y a ce côté, mais oh, à l'église, les gens qui ont besoin d'aide, je peux pas leur vendre, ça se fait pas. C'est des frères et sœurs en Christ. Comment tu t'y prends comment tu arrives à vendre à des chrétiens qui ont la même foi que toi? Alors, quand quelqu'un m'approche, je fais bien attention à ce qu'il me dit. Voilà, Bettina, peux-tu m'aider? Je dis, tu veux que je t'accompagne en coaching ou tu veux que je puisse te conseiller sur un point ponctuel? Vous voyez, déjà là, il se dit, ah, il se positionne. Non, juste un conseil ponctuel. Là, je le conseille, je le fais tout le temps. Hein. On s'appelle. Là, j'ai une de mes sœurs en Christ à l'église qui va venir chez moi pour que je la forme pour son projet. Elle paiera pas parce que c'est un conseil. Mais pour un accompagnement plus poussé, je dis non, tu sais, là, j'aimerais vraiment t'aider et prendre le temps. Sauf que pour le faire, vaut mieux vraiment qu'on mette un cadre à cela. Comme ça, tu vois, chacun de nous investit du temps et toi de l'argent et puis on le fait, en fait. En réalité, j'aide beaucoup de. Là, je fais des sessions stratégiques tout le temps. J'ai des gens qui m'écrivent, qui m'appellent de partout, à Afrique et ailleurs. Ils payent pas. Je les coach au téléphone. Je leur donne plein de ressources que j'ai. Mais en réalité, enfin, je donne, en fait. Donc, vraiment, je distingue vraiment un conseil comme ça, ponctuel. Oui, ben, Bettina, qu'est-ce que tu me conseilles pour tel compte, nanana, je conseille. Mais quand c'est vraiment tout poussé, je dis non, là, prenons, ou alors à d'autres, j'offre également mon coffret des finances. Écoute, achète-le, enfin, prends-le et écoute-le. Mais des coachings en one-to-one, vraiment plus poussés, là, en général, je conseille vraiment de prendre un coaching. Ouais, c'est génial, c'est génial. C'est comme moi, j'ai un ami, il vend des valises, ok? Ok, je vais pas aller dans sa boutique et dire, bah, on est amis, file-moi une valise, quoi. Non, sa valise, il a payé. Comme toi, si tu dois bloquer ton temps à certaines heures et travailler et préparer tes séances, bah, c'est du travail. Donc, voilà. Ok, top. D'autant plus que tu vois, les gens ont quand même accès à nos ressources. Bah Tu oui. vois, je fais tout le temps des webinaires, je fais des lives, je fais des vidéos. Donc, en réalité, tu as accès à ça. Si tu veux aller beaucoup plus loin, là, on passe un coaching. En vérité, j'y fais des événements, je suis invité, c'est gratuit. Mais c'est comme là, la convention solopreneur, elle est gratuite.
Ouais. Inscrivez-vous massivement, d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Alors, du coup, ceux qui regardent sont déjà inscrits et on vous remercie vraiment tous pour votre présence. Et puis, ouais, c'est vrai que Internet permet ça, de pouvoir aider des milliers de personnes sans leur faire payer. Et puis, ceux qui veulent aller plus loin, ils vont plus loin. Alors, on pourrait continuer cette discussion pendant très longtemps parce qu'elle est passionnante. Mais on a un autre sujet aujourd'hui, même si tout est lié, hein, c'est les finances. Donc, tu veux nous annoncer ton plan en trois parties et puis après on attaque ? C'est ça. Donc là, on va voir ensemble trois clés pour dompter vos finances. Je sais, c'est un mot un peu fort, dompter, c'est prendre le contrôle, c'est maintenant, voilà, je gère, je passe à l'action. Et donc, on verra premièrement l'importance de faire un état des lieux, d'avoir aussi une prise de conscience. C'est important, c'est la base pour moi. En second temps, on verra avoir une vision. Voilà, donc c'est ce qui nous anime et notre pourquoi en réalité. Et nous verrons enfin en troisième lieu d'être intentionnel. Être intentionnel par rapport à ses finances. Wow. Voilà un peu le plan dans lequel je voulais vous en parler. Beau programme. Alors, on te suit. Vas-y, commence. Alors donc, premièrement, comme je disais tout à l'heure, c'est... Je prends un exemple. Si une personne, par exemple, elle se rend compte qu'elle mange beaucoup, qu'elle grignote, qu'elle a pris beaucoup de poids, elle le sait, elle le voit, mais s'il n'y a pas un déclic qui dit « Oh oh, mes vêtements ne me vont plus, je me sens mal dans mon corps, je me sens lourde, non, là, il y a un problème, là. Non, là, stop. Il y a un problème, je veux changer. Je veux, voilà, j'ai besoin d'aide. » Pour moi, c'est ça que j'appelle un déclic. Et pour les finances, c'est pareil. C'est, je le vois, hein, je fais des webinaires gratuits, mais je vois les inscrits. Pourtant, il y en a plein, je sais qu'ils ont des problèmes financiers, mais je me dis, ils n'ont pas encore eu le déclic. Et c'est vraiment c'est d'avoir ce déclic-là. Je suis entrepreneur, j'ai un projet où je compte être entrepreneur. C'est se dire, OK, je me pose et je fais table rase. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à mes finances? C'est, parce que vous savez, état des lieux, c'est un peu comme quand je vais chez le médecin, il me dit toujours au début, que puis-je faire pour vous? En gros, qu'est-ce qui se passe? Où avez-vous mal actuellement? Donc, c'est quoi? C'est faire table rase, c'est dire, OK, ben là, Bettina, actuellement, ben, il s'avère que je gagne bien ma vie, mais voilà, au plus tard le 15, j'ai plus rien. Et puis voilà, je me rends compte que je suis toujours à découvert, ou alors je suis endettée, je dois à plein de personnes. C'est ça que j'appelle état des lieux. C'est constater ça en premier lieu. C'est pas de faire l'autruche, quoi. Si non, on a un problème, de l'admettre, quoi. Ouais. Le problème en face, c'est avoir une prise de conscience. Alors moi si tu permets, quelquefois, l'un des pièges, c'est que on est dans un cercle d'amis ou dans notre famille où tout le monde est un peu comme nous. Du coup, on a l'impression que c'est normal. Donc, il est où le standard? Il y a des gens qui vont dire, bah non, moi, je vais à découvert, ça me va. Qui instaure le standard? Est-ce que toi, tu veux nous donner un peu ton standard de qu'est-ce qui est mal et qu'est-ce qui est bien financièrement? OK. Déjà, c'est vivre avec moi, en fait, comment dire ça? Je pense que chacun a son système de valeurs. Mais là où moi je dis attention, c'est quand je vais vivre une vie que je peux pas me permettre de vivre. C'est, imaginons une personne, elle est étudiante, elle gagne, allez, 1000 euros de bourse, je sais pas, moi, par exemple, mais elle a un train de vie de 2000 euros. C'est un problème. Donc, c'est vraiment ton système de valeurs à toi, c'est. C'est pour ça que justement, le point d'après, il est hyper important, la vision. Parce que finalement, c'est... Du coup, là, je passe au point suivant parce que c'est lié. Ouais, bien c'est sûr. La vision. Tant qu'on n'a pas de vision, on ne pourra pas se dire, je me pose et je fais le point sur mes finances. La vision, c'est qu'est-ce qui t'anime? Moi, les finances, parce que moi, ce que je fais, c'est vraiment... C'est pas juste, on ne manie pas des chiffres. Hein. C'est vraiment un travail de prise de conscience et d'aller vraiment voir pourquoi c'est comme ci et comme ça. C'est pas juste débit, crédit. Non, 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 c'est vraiment, c'est une prise de conscience, en fait. Et premièrement, c'est se dire, c'est pas gérer le jour au jour. C'est d'abord de partir d'une vision plus globale. Qu'est-ce que je veux réaliser dans ma vie? Qu'est-ce que je veux accomplir? Demain, je vais mourir, parce que oui, on va mourir un jour. Qu'est-ce que je voudrais laisser comme héritage sur cette terre? Aujourd'hui, on parle de Kobe Bryant. Justement, il a tellement marqué son époque que tout le monde parle de lui, en fait. Parce qu'il a laissé une empreinte. Et toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu veux accomplir demain sous cette terre? C'est ça la vision. Moi, pour mon cas, par exemple, je rêve, en fait. Enfin, je rêve. J'aimerais bien pouvoir, comme tu dis souvent, hein, donc être riche, mais pas que pour moi.
c'est pour donner demain encore redistribuer aux personnes. J'aimerais bien pouvoir prendre en charge les frais scolaires des personnes en Afrique que je connais ou que je ne connais pas, pour qu'ils puissent s'en sortir, faire des études, être éduqués, être équipés, pour qu'eux aussi puissent aller loin et aider également d'autres personnes. Donc, en fait, c'est vraiment ce qui m'anime et forcément, mon quotidien va être dirigé par ça. Donc, d'abord, on parle du horizon global. Car après, finalement, on va réaliser donc chaque année, on parle de l'année. OK, donc là, on est en début d'année. En 2020, qu'est-ce qui bat en moi? Qu'est-ce que je sens que je dois réaliser en 2020 après ma vision? Finalement, après, on la déroule sur 12 mois, sur les semaines et sur les jours. Donc, chaque jour que je vis n'est juste que le résultat d'une vision plus globale, en fait. Et la vision permet de ne pas vivre le jour au jour. Moi, aujourd'hui, demain, si j'ai un don de 1000 euros, comme j'ai un plan, j'ai une vision, je sais où je peux l'injecter sur cet argent. Mais quand on n'a pas de but, ah, je suis contente, je vais m'acheter plein d'habits, c'est pas mauvais. Mais du coup, on va vivre le jour au jour. La vision elle permet donc de pouvoir aussi avoir un cap. Qu'est-ce que je poursuis et quelle est ma feuille de route? Est-ce que tu irais jusqu'à dire que les gens qui gèrent pas bien leurs finances, c'est le reflet, le symptôme d'un manque de vision? Tu irais jusqu'à dire ça ou pas? Je pense qu'il y a un lien direct. Je pense que une personne qui n'a pas de projection, mais même dans sa vie en général, même dans le temps, la gestion du temps, c'est pareil. C'est, si je me lève le matin ou j'entame un mois, là, on commence février, là, ce week-end, si j'ai pas de plan, mais je vais vivre, je me lève le matin, je me laisse aller, on m'appelle, t'es disponible, j'arrive, vous voyez? Donc, c'est oui, je pense qu'il y a un lien avec ça. Je pense que le train-train que l'on vit, c'est parce que des fois aussi, on se projette pas. On n'a pas de plan. Et comme je dis souvent à mes clients, je leur dis, le problème n'est pas l'argent. Ceux qui me disent, ouais, Tina, je vais me lancer, mais je n'ai pas de sujet, c'est pas vrai. Parce que tu peux déjà commencer à écrire ce que tu veux réaliser et te dire, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je n'ai pas, et aller voir les ressources qui te manquent, ressources humaines, ressources financières, c'est possible en fait. Donc oui, il y a un lien entre la vision et puis les finances au quotidien. Wow. Et donc, par rapport toujours à la vision t'aide également nous aide également à avoir des priorités, à définir, bon, ben là, qu'est-ce que je fais ce mois-ci? Qu'est-ce qui est important pour moi? J'ai acheté du matériel cette semaine-ci parce que ça rentre dans ma vision entrepreneuriale de me dire, je m'équipe pour être plus professionnel. Mais j'irai jamais investir, même, et toi, tu l'as fait récemment, tu es allé assister à l'événement de Julien Misi, tu as payé 300 euros le déjeuner. Pour te dire, mais qu'est-ce que tu as fait? Miséricorde, Ligen! Tu penses pas aux pauvres, Lincoln. 300 euros à déjeuner. Des croissants et puis quoi? Du thé, du café. T'abuses. Non. C'est parce que tu sais où tu vas. Tu sais que tu as besoin d'être entouré d'autres personnes qui pensent comme toi, même plus loin que toi, pour avoir un peu cette énergie-là. Donc, c'est lié à ta vision, finalement. Ouais, c'est totalement rentabilisé. Je sais ce que ça m'a apporté. J'aurais difficilement pu l'avoir autrement, en tout cas. Ouais. Donc, c'est lié à la vision. Et ça permet également de ne pas se laisser aussi influencer par l'extérieur. Quand j'ai des demandes qui me viennent de partout, d'abord, je me pose. OK, est-ce que je peux le faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et à quoi je peux dire non? Je dis non, non, pas là maintenant, dans tant de temps, parce que j'ai ça, voilà, voilà. C'est parce que j'ai un plan et j'ai un cadre, et ça aide vraiment. Ça aide. Est-ce que tu veux approfondir ce parallèle entre gestion du temps et gestion d'argent? Parce que je trouve ça vachement intéressant pour toi. C'est à peu près la même chose. Oui. Oui, parce que même quand moi je suis mon point des finances au quotidien, j'ai toujours mon agenda à ma gauche et j'ai mon fichier donc sur mon PC et j'ai mon portable là. Parce que mes finances au quotidien dépendent également de mon agenda. Je prends un exemple le mois de mars là qui arrive, hein, j'ai deux événements où je dois aller intervenir par exemple. Il y en a un qui est en Suisse et puis il y en a un autre qui est à Paris. Donc, forcément, qui dit événement, dit toute une préparation pour moi-même. Génial. C'est une conférencière internationale maintenant. Par la grâce de Dieu. Donc, tu vois, ça influence. Je dois prendre en compte que, attention, au mois de mars, j'ai un événement. Et puis, en plus, ça, je le sais depuis quelques mois quand même. Donc, voilà, je m'organise. Ça va être peut-être avancer les frais. Donc, oui, pour moi, c'est lié. C'est lié. Il y a un lien avec la gestion du temps. Et je le vois, hein, je le vois, je ne laisse pas passer un mois. Enfin, mon agenda, je l'ai toujours. Enfin, c'est mon enfant, c'est mon ami, quoi. Ah. Il y a un lien parce que
comme j'ai une vision, tout part de la vision. Comme j'ai une vision, donc je dois être focus sur ma vision. Donc, chaque action que je pose au quotidien, financière, dépend également de la vision et de mon temps. Est-ce que on peut parler du savoir dire non? Parce que dans la gestion du temps, tu disais tout à l'heure, il y a une amie qui a besoin de toi, qui t'appelle, qui va. Ne pas savoir dire non dans la gestion de notre temps, c'est symptomatique d'un, peut-être d'un manque de vision. Mais ne pas savoir dire non en termes financiers, c'est-à-dire je veux acheter ces chaussures, il faut que je me dise non. Est-ce que, comment tu fais le lien et est-ce que tu as une astuce pour nous aider à dire non quand on a une envie impulsive d'acheter quelque chose? Ok, donc là tu parles de non envers nous-mêmes, pas envers les autres. Oui, c'est ça. Non envers nous quand on veut acheter un truc, non quoi. Parce qu'au final, c'est la même chose un peu que de dire non dans notre gestion du temps. C'est-à-dire qu'on n'est pas organisé, on n'a pas de plan, on n'a pas de projet, on n'a pas de projet d'épargne, d'acheter des trucs futurs. Du coup, on dépense maintenant. D'accord. Alors, je vais partir de moi, de mon vécu. En fait, pendant très longtemps, je culpabilisais de me faire plaisir. Je travaillais, j'avais un job, un travail payé. Hein, et je pensais que je travaillais juste pour payer des factures. Jusqu'à ce qu'un jour, je découvre une méthode d'une personne, j'ai oublié son nom là, je le mettrai on le mettra après pour elle. Et en fait, j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que des fois, ce qui fait qu'on dépense de manière un peu impulsive, c'est parce que on ne prend pas en compte nos besoins dans notre entièreté. Je prends un exemple. C'est que moi, par exemple, dans mon budget que je m'organise, je me définis un budget pour chacun de mes besoins. Je commence par la partie des dons. J'ai un budget qui est alloué à mes dons, offrandes, cadeaux. Comme ça, il n'y a pas de surprise. Tu vois? Il y a un budget qui va être alloué à tout ce qui va être développement personnel. C'est-à-dire que chaque mois, j'ai une somme que je définis qui me sert à acheter un livre ou un coaching ou autre. C'est prévu, en fait. Il y a une somme qui est également, qui est allouée à l'épargne. Et il y a une somme qui est allouée aussi à tes projets. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est là, une somme qui est là et qui, en fait, permet de faire entrer de l'argent. Par exemple, si quelqu'un vend des bijoux, et ben cette somme-là va l'aider à acheter sa matière première pour faire les bijoux, pour après les revendre. Et enfin, il y a aussi donc la case divertissement qui est importante. C'est là donc je case tout ce qui va être sorti au ciné, restaurant, enfin plaisir quoi. Et après les charges. Donc quand finalement on prévoit une somme pour chacun de ses besoins, on est comblé en fait. Tous les mois, je commence par donner dans mon église, donc je sème dans mon église, je donne tous les mois, c'est pas tout le temps que je fais, mais en tout cas, je vais acheter un bouquin, enfin, je veille à me nourrir intellectuellement, c'est ça plutôt. Donc, je vais aller à une conférence, séminaire, atelier, tous les mois, je paye mes charges de la maison et tout ce qui s'ensuit. Vous voyez, donc finalement, quand un être humain comble chacun de ses besoins, peu importe le montant qu'il a, hein, finalement. Donc ça, du coup, ça enlève le côté culpabilité. Par contre, quand je me définis ça, quand après, imaginons que ça finit au cours du mois, ben, là, je dis non, Bettina, là, t'as pas géré comme t'as... Enfin, tu assumes, en fait. Donc là, je me donne un budget chaque mois par rapport à chacune de ces cases-là. Après, c'est à moi de le gérer au quotidien. Donc, voilà comment est-ce que je me dis, ok, tu as un besoin comme ça qui est urgent, je me pose... si vraiment ça me tient à cœur et que je ne l'ai pas anticipé, je me dis où est-ce que je peux le piocher? Est-ce que réellement ce mois-ci, je dois m'acheter un bouquin ou aller à un événement et tout? Ouais, non, ok, je le prends là. Quand on commence par mettre des cases, on peut facilement les bouger les unes aux autres. Tiens, tel ami me demande de l'argent. Bon, je n'étais pas prévu. Ok, bon, allez, je vais prendre un petit peu dans mon budget. Plaisir. Tu vois ce que je veux dire? C'est au début arriver à avoir un budget qui est clair, qui est défini, qui permet après de jongler selon les besoins. Ok, génial. Et je pense qu'il est aussi important de parler, apprendre à dire non aussi aux autres. Parce que ça, c'est aussi un phénomène pour ceux qui ont des parents comme moi en Afrique, des oncles, des cousins. Souvent, je vois les clients qui me disent, Bettina, mais mon budget, il est troué parce que j'ai eu telle demande. Moi, personnellement, c'est aussi être honnête avec nos parents, nos frères et sœurs, nos cousins. Dire, voilà, écoute, là, je peux pas là maintenant, mais je pourrais tant de temps. Parce qu'il y a telle ou telle chose, ou alors créer un budget famille carrément, comme ça on est tranquille. Quand je fais ça, on est tranquille, tu vois.
Génial, génial. Cette organisation-là, bah, tu vas peut-être nous en parler. Quelqu'un qui nous regarde et va se dire, ouais, c'est bien tout ça, mais c'est pas fait pour moi. C'est trop compliqué pour moi. J'ai pas la force, j'ai pas le courage. Ce serait quoi les premiers pas? Comment il pourrait s'y prendre? C'est là où on passe au troisième point, Ouais. être intentionnel. C'est déjà se dire, OK, bon là, Bettina, j'ai trop longtemps souffert de mes finances, je veux commencer 2020 avec des bonnes bases. Je lui dirais d'instaurer des bonnes habitudes, de prendre la gestion de ses finances comme s'il passait un examen, en fait, de le prendre au sérieux, en fait, de se dire, je vais m'investir pour pouvoir justement voir mes finances prendre leur envol. Donc, c'est instaurer des bonnes habitudes, c'est quoi? C'est déjà prendre du temps chaque mois. C'est, moi, je le fais, pourtant, ça fait 10 ans que mes finances, je les connais, enfin, je connais mes comptes et tout ça, mais je prends au moins une demi-heure tous les mois, voire plus selon le mois, comment il va être, pour me poser, pour me dire, OK, ce mois-ci, quelle est la couleur de ce mois? Je regarde mon agenda, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai en fait? Donc, je définis mes différentes cases, tu vois, mais donc, c'est prendre le temps. C'est prendre le temps de se poser. C'est important. Ensuite, il y a également le fait donc prendre le temps, c'est important, mais il y a aussi donc définir un budget. Et comment le faire de manière très simple, franchement, même avec un stylo et une feuille de brouillon, c'est faire une colonne à gauche, mes entrées d'argent, droite, mes sorties d'argent. Je te dis, ça a l'air simple comme ça, mais il y a des gens que je coach au quotidien. Ils ne savent pas, par exemple, ce qui rentre de leur compte ou ce qui sort de leur compte. C'est OK. Chaque mois, voilà, je suis peut-être étudiant, donc j'ai la bourse, j'ai un salaire, j'ai des allocations, j'ai mes revenus de mon entreprise. Enfin, c'est lister, c'est avoir une visibilité sur ce qui rentre dans notre compte et la somme totale. Et à droite, aussi pour les dépenses. Il y en a plein qui ne savent pas comment ils dépensent au quotidien, mais même leurs charges. Surtout ici en Europe où c'est prélevé automatiquement, encore pire, Lingen. Il y en a plein. Du coup, tu payes combien de loyer par mois? Je crois que c'est 500, hein, je crois. Tu crois? Donc demain, si ça augmente, tu ne sauras pas. Ouais, non, mais tu vois, donc là, c'est passer en revue mes dépenses. Là, on parle de dompter, c'est vraiment prendre le contrôle sur ses finances. Donc, c'est le loyer, je paye tant à telle période du mois, le transport, c'est ça. Et il y a deux postes de dépenses, les gens ont du mal à chiffrer, c'est l'essence, le transport, et puis les courses. C'est les deux pires les postes de dépenses. Parce que Bettina, bah écoute, tu vois, Lingen, moi, dans ma méthode à moi, je ne fonctionne pas en mode curative. Tu sais, moi, l'école m'a appris que le vaccin, c'est le mode préventif, ça prévient, et le sérum vient après. Donc c'est une fois que tu es piqué, bah, tu prends le sérum. Moi, je viens en mode préventive, le vaccin. Je ne dis pas aux gens, d'abord tu dépenses et puis après tu fais le point. Non, je dis définis d'abord donc ta vision, tes objectifs. Là, ce mois-ci, là, cette année, qu'est-ce que je veux faire, accomplir? Tu veux passer le permis de conduire? Planifie-le. Tu vois, Lingen, chaque année, on sait par exemple qu'en France, la rentrée scolaire, c'est en septembre. Enfin, c'est pas un scoop en fait. Pourquoi tout le monde se bat chaque fois fin août? C'est l'entrée scolaire. Oui, mais tu le sais depuis 9 mois, depuis un an. Il n'y a pas de scoop. Organise-toi. Tu vois? Donc c'est ça. C'est prendre le temps de s'asseoir. C'est avoir un budget. C'est être clair sur mes entrées d'argent, sur mes dépenses. Et c'est mettre un montant par rapport à ça. Mais je vous dis que rien qu'en faisant ça, quand on a sous nos yeux ce qu'on dépense, on dit, oh, j'en connais plein. Attends, je suis abonné à Netflix. J'ai Canal Plus, j'ai Bein Sport, mais je m'en sers jamais. Allez, hop, ça j'enlève. Ça permet après de rééquilibrer les finances. Est-ce que tu pourrais nous donner une petite astuce pour que ce soit agréable et qu'il devienne un jeu? Que ce soit pas juste, il faut que je. Toi, tu prends du plaisir quand tu fais ça. Comment Oui, bien comment sûr. tu peux nous aider, nous aussi, à prendre du plaisir à faire ça? Moi, je sais que c'est plus ma femme qui fait et elle aime bien faire ça. Donc, voilà, j'ai de la chance, mais quand j'étais célibataire, c'était la catastrophe parce que j'avais cette pensée que ça va être douloureux et tout. Et est-ce que peut-être c'était même une manière pour moi d'échapper à la réalité, de ne pas voir mes finances parce que ça allait mal? Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils pour prendre du plaisir, du coup? D'accord. Alors, deux choses.
Premièrement, là, parce que là, je parle surtout aux porteurs de projets. Je parle à des gens qui entreprennent ou qui veulent entreprendre. C'est, dites-vous, par exemple, que les finances personnelles, enfin, que plus tôt je m'y mets, en fait, et plus sereine je vais être demain. C'est, en fait, les finances sont un reflet de votre intérieur à vous-même, en fait. C'est, dites-vous que, au lieu de fuir, mes finances, mes factures, tu sais, juste un exemple rapidement, je connais des personnes, en fait, qui, parce qu'elles ont négligé d'ouvrir leur courrier au quotidien, elles ont pas payé leur loyer, parce qu'elles n'ont pas vu qu'il fallait payer le loyer. Bref, elles ont été convoquées au tribunal, et finalement, la maison, elles ont dû la libérer. À cause de la... Non, mais là, tu vois, en fait, c'est des petites choses qui causent des grands trous, en fait. Donc, c'est vous dire, ben, en gérant mes finances, j'aurai la possibilité chaque mois de me faire plaisir, je pourrais épargner, je pourrais investir. Demain, là, t'es peut-être célibataire, mais demain, tu vas te marier et tu voudras acheter un bien immobilier. On te dira, mais où sont tes relevés bancaires? Oh, tu as découvert ces miettes. Pensez à votre futur. Dites-vous que plus j'ai la maîtrise sur mes finances, plus je peux être épanouie parce que finalement, je sais où va l'argent et je suis en paix parce que les finances sont une des causes des divorces en France. Et ailleurs même, je pense. Ben C'est ça. l'une des sources de conflits dans le couple. Donc, c'est prenez du fun en vous disant, alors, j'ai hâte, là, c'est bon, je vais être payé ce mois-ci, j'ai hâte de me faire plaisir, j'ai hâte de voir mon budget divertissement, j'ai hâte de voir mon budget intellectuel, là, de m'acheter. Ouais, voyez ça comme ça, en me disant, voilà, bah, j'ai hâte de retrouver mes petites cases, là, j'ai travaillé dur, j'ai hâte de me faire plaisir. Mais surtout, finalement, aussi des projets. C'est plutôt je m'y mets, plutôt je peux vivre des projets. Franchement, je suis là pour vous dire que il est possible de vivre une vie sans dette et sans découvert. C'est possible. Peut-être que toi qui m'écoutes, tu te dis, mais non, mais toi tu parles, mais tu n'as, mais non, 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 non. J'ai vu des cas que j'ai gérés au quotidien. Je peux t'assurer, vous assurer que il est possible, même d'avoir été dans le trou, d'avoir été à découvert ou d'être endetté, mais quand on veut passer à l'action et qu'on s'y met réellement, je vous assure qu'il est possible de vivre une vie sans dette, sans découvert. C'est possible. Donc, aspirer à ça, aspirer à ça et vraiment, c'est pour ça que je prends beaucoup de temps à parler des schémas de pensée. Parce que une personne, tu sais, il y en a plein qui se disent, Bettina, mais oui, mais dès que tu dis oui, mais tu brises en fait la possibilité de voir les résultats dans ta vie. C'est, je prends beaucoup de temps avec les gens en leur parlant, d'où vraiment le côté coaching, en leur parlant et en leur faisant arriver à croire que c'est possible d'en sortir en fait. Oui, mais tu sais, oui, mais tu sais, oui, mais tu sais. Non, 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 non. Est-ce que tu veux en sortir? Oui, on va aller ensemble, pas à pas, pas à pas, pas à pas. J'ai accompagné une personne qui est en Guyane là. C'était un coaching, ben, un coaching haut de gamme là pour le coup, sur 12 semaines comme tu me l'as appris. Et en fait, je t'assure, Ningen, là, on s'est parlé il y a 10 jours là, c'était la semaine là, c'était la 8e séance sur 12. Elle était autonome. Il y a 12, 10, 7, 9 séances avant, c'était, il fallait reprendre le temps, tu vois, parce que les finances sont liées à nos émotions aussi, tu vois, donc c'est tout un travail de, tu vois, et au début, donc, elle était toujours comme ça, courbée sur elle. Là, maintenant, c'est elle qui m'a montré, voilà, Bettina, ben, j'ai fait mon plan des finances pour l'année 2020, voilà ce que je vais faire. En mars, j'étais là, punaise! Elle dit, ben oui, hein, et tu vois, des fois, elle se trompe, mais elle se réajuste elle-même, et j'étais là comme ça. Avec elle en séance, j'ai dit, mais tu as tout compris. Si j'ai pu t'apprendre à être autonome là-dessus, tu as tout compris. Donc finalement, on a fini en 9 séances au lieu de 12 séances. Parce que elle a pu, tu vois, comprendre, ok, ben, je suis endettée, mais ok, quel plan je mets en place pour en sortir? On l'a fait ça sur les 12 semaines. Le découvert là, elle est passée de découvert de 500 euros à là, normalement en février, si tout va bien, si toutes ses finances vont bien, elle sera à zéro découvert. Mais tu vois, c'est un suivi, ça, au quotidien. Elle t'appelle en pleurs, tu dis non, calme-toi, c'est pas grave, on va encore le refaire. Tu vois, c'est pas à pas, c'est persévérer. Ah, mais là, j'ai craqué, c'est pas grave. Autorise-toi également à craquer, c'est humain. On recommence. Et vas-y, vas-y. Et je la voyais, mais rayonnait, j'ai dit, mais waouh, ce que je fais, c'est pas juste, tu vois, c'est un sens, en fait. C'est apporter réellement un sens à sa vie. C'est cette année-ci, elle pourrait avoir son fils en France parce qu'elle a pu s'organiser pour ses finances. Tu vois, donc c'est. Ça, c'est beaucoup plus, c'est vraiment sur du long terme, tout ça. Donc, les amis, que ça puisse peut-être pour vous une corvée, mais je vous en supplie, voilà, donnez-vous, pensez à vous et vous méritez, d'être serein pour vos finances, vous méritez
Vous projetez, vous méritez d'aller en voyage, en vacances. Vous méritez cela. Ça commence par bien gérer vos finances. Super, merci Bettina. Tu parlais un peu d'émotion. Tu veux nous parler un peu de ça, de le lien entre argent et émotion? Parce que moi, ça me parle et parce que c'est ce que j'ai vécu aussi. Donc, tu veux bien en parler un peu? Oui, parce que, bon, ça, donc ça, je l'ai constaté. Parce que si tu veux, finalement, l'être humain est émotionnel. Tu vois? Enfin, en tout cas, il a une part d'émotion. Et surtout, nous, les femmes, d'ailleurs. Et on ne pose pas une action au hasard. Moi, mes clients, que je, enfin, en tout cas, selon mon constat, en général, quand je leur demande, mais quand ils disent, oui, mais tiens, là, j'ai craqué, toujours, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toujours un élément déclencheur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, voilà, j'étais au boulot et puis on m'a mal parlé. Non, après, en tout cas, elle est mal en elle à la base. Donc, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, du coup, je suis allée acheter du faire du shopping. Pourquoi? Parce que je me suis dit, voilà, pour me défouler. Ben, en fait, tu vois, c'est le pourquoi. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Donc, le lien, c'est quoi? C'est que c'est pour ça qu'il faut travailler d'abord en soi. Parce qu'au final, ce qu'on ressent influence nos actions. Et c'est pour ça que quand je dis être intentionnel, c'est se dire, attends, mais là, OK, je me sens mal, ça va mal. Attends, mais là, je veux faire. C'est vraiment observer ses actions. C'est un peu comme on dit, il faut s'écouter quand tu parles. Et ben, c'est également se dire, attends, mais là, je sens. En fait, c'est prendre 2 secondes de conscience, là, dire, mais attends. Je suis en train de faire quoi, là? Je suis en train de vouloir. Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand on se connaît, c'est pour ça que j'ai tout un volet se connaître de mes formations. C'est la base. Parce que quand on se connaît, on connaît les éléments déclencheurs. C'est quoi? Ça va être peut-être une rupture, une déception, une pensée, voilà. Et se dire, attention, c'est également aussi prévenir nos proches qui nous connaissent. De dire, si tu me vois disparaître en 2 jours, c'est que ça. Enfin, tu vois, vraiment se donner un peu des éléments comme ça, dire, je t'en supplie, ne me laisse pas faire ci parce que c'est que ça sera que ça, c'est que ça voudra dire que j'ai tel problème, quoi. Et du coup, il dit, oh, Bettina, attention, attention, c'est des garde-fous, en fait. Donc, je pense que oui, c'est lié. C'est que des fois, on se console avec l'argent. On se dit, voilà, d'autres vont se faire une soirée de chocolat et tout devant une série en train de finir le pot de chocolat. D'autres, ça va être la cigarette ou la drogue ou autre. Ben, d'autres, c'est l'argent. Ils sont poussés à aller, voilà, c'est, on est comblé sur le coup, hein. Je me fais plaisir, je vais acheter, j'achète, sur le coup. Et après, ils se sentent coupables, mais plus profondément, quoi. Ils pleurent limite, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est voilà pourquoi ce que je fais, c'est vraiment un travail d'accompagnement, pas juste sur l'argent, c'est tout est lié, c'est du coaching de vie, en fait. C'est d'abord comment on va la perdre. Tu vois, celle que j'accompagnais pendant 12 semaines, là, ça n'a pas été que des finances. Il y avait des séances où je le parle, je sens que non, là, ok, Bettina, oublie l'argent, ok, comment tu vas? Comment tu te sens? Non, mais voilà, il y a ça. Ok, on va creuser. Après, elle dit, ah, je me sens mieux. Tu vois, c'est tous ces éléments à prendre en compte autour de la personne qui font que c'est lié à ses finances. Mmh. Et normalement, les finances, ça impacte juste au final. Mais c'est d'abord d'autres éléments autour de la personne qui font que non. Là, c'est ça qui la pousse à faire ça. C'est aller voir la cause, la racine, en fait. Mmh. Entre ceux qui ont vu dans leur enfance des gens qui ont toujours. Tu vois, par exemple, je dis souvent qu'il y a 2 schémas de pensée majeurs. Le premier, c'est, il y en a qui pensent que l'argent est fait pour être dépensé. Tu vois, c'est comme ça, ils ont grandi comme ça. Eux, dans leur tête, dès que j'ai l'argent qui rentre sur mon compte, automatiquement, sans faire d'effort, faut que je dépense. Ouais, moi, je suis un peu comme ça, je vois. Ils ne supportent pas que le compte soit créditeur. Il faut que je dépense. C'est un schéma de pensée. Ouais. Le numéro 2, c'est, faut garder l'argent. Il faut épargner. Eux, ils épargnent à l'excès pour le coup. Ils comptent les centimes. Tac. Tu vois, c'est vraiment 2 schémas de pensée opposés. Et moi, quand j'ai vécu la guerre de mon pays, le Congo, quand je suis venu en France, j'étais dans le schéma de pensée numéro 2. Tu sais, quand tu as connu le manque, tu te lèves le matin et que tu sais même pas si tu vas vivre, si tu vas manger, si tu vas être quelque part. Du coup, quand tu vas en France et que là, tu as accès à tout, entre guillemets, ben, les gars, je me rappelle que même un yaourt, je le mangeais en 2-3 temps parce que j'avais peur de manquer demain. Parce que tellement tu as vécu dans un environnement où pendant peut-être 3-4 mois enfermé, sans argent, enfin dans la galère, quoi. Mais quand tu as accès à tout, on te dit, tiens, vas-y, prends, mange, c'est à toi. Je mangeais mon yaourt, mais je laissais la moitié ou les 3 quarts de manière instinctive. Il a fallu un travail de me dire, Bettina,
c'est pour toi, tu as le droit, tu vois. Donc, chaque être humain n'agit jamais au hasard. Ce schéma de pensée le conditionne. Donc, il faut aller travailler là-bas, il faut dire, non, écoute, l'argent dépensé, oui, mais pas que, tu vois, il faut t'équilibrer, tu dépenses, mais tu épargnes aussi, parce que la vie, c'est le futur aussi, tu vois. C'est l'équilibre là que je ramène aux personnes. Wow. C'est aussi également donc, l'équilibre dans leurs dépenses. Donc, je dépense, mais j'épargne aussi. Également aussi la clarté dans mes différentes cases. Et du coup, je suis épanouie. Je suis épanouie chaque mois, j'ai pas de... Parce que je pense à tout. Bien sûr que t'as imprévu, mais tu les gères parce que tu manies les cases. Tu vois. Donc, voilà. Wow. C'est génial, c'est génial. Bettina, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as donné. C'est hyper généreux, c'est hyper dense. On voit aussi ta passion au-delà du sujet. Bah, c'est toujours hyper inspirant de te voir aussi passionné parce que bon, on a besoin de plus de gens comme toi. Alors, il y en a qui veulent peut-être aller plus loin, qui ont besoin d'aide, qui veulent un accompagnement ou qui veulent se former. Qu'est-ce que tu peux leur proposer s'ils veulent aller plus loin sur la gestion financière? D'accord. Alors déjà là, en ce moment, j'ai lancé un programme sur 6 mois. J'accompagne des hommes et des femmes là pendant 6 mois sur leurs finances. Donc ça a commencé là en janvier, on finit en juin. J'ai un programme que j'appelle Passe à l'action, où là, je forme les personnes sur leurs finances, sur leurs talents, compétences et leurs projets. Il commence en mars et finit en juin. Maintenant, là, pour vous qui êtes là, je vous propose 3 choses. La première, c'est mes e-books. D'accord? J'ai écrit un e-book, un qui s'appelle 34, les 34 leçons que la vie m'a apprises. 34, justement, c'est simplement mon âge, hein, que j'avais il y a un an. Donc ça, c'est gratuit, c'est offert. C'est 34 pensées que la vie m'a inspirées tout au long de ces 34 ans. Le second e-book gratuit que je vous offre, c'est 3 conseils pour accroître vos revenus. C'est vraiment dedans, je vous donne un plan pour commencer justement pas à pas, de manière simple et pratique. OK, mes finances, comment je m'organise, comment je gère, comment je les répartis et aussi comment je peux augmenter mes revenus. Parce que j'aide également les personnes à accroître leurs revenus. C'est des fois, c'est pas qu'ils gèrent mal, c'est qu'ils gagnent pas assez, tout simplement. Et là, comment on fait? Donc là, grâce à leur talent, à leur savoir-faire, je leur montre que, tu vois, là, tu as un talent qui est là, développe-le, travaillons-le, habillons-le pour qu'il serve les personnes, que tu puisses aider les gens, moyennant des finances à côté. Et enfin, donc j'ai sorti un coffret en avril dernier. Ce coffret, je l'ai appelé « Je reprends le contrôle de mes finances ». Donc, c'est des vidéos, ça dure 2 heures. Dedans, j'ai mis tous mes outils qui m'aident, moi, au quotidien. Il y a les outils pour écrire sa vision. Il y a également écrire ses objectifs. Il y a tout un tableau de gestion de modèle sur 12 années pour gérer vos finances. Il y a également une méthode d'épargne que j'ai utilisée qui marche bien, qui est dedans. Donc, c'est des formats vidéo courts, ludiques, agréables. Voilà, vraiment. Donc ça, je vous offre moins 50% à vous. Wow. Qui vont s'inscrire, il y a un code promo, donc on le mettra après, c'est ça, ouais, le code promo. Ouais, donc profitez-en, c'est vraiment un cadeau pour vous, c'est pour que vous puissiez passer à l'action. Il y a tous les outils, voilà, donc suivez-le. C'est un coffret que j'ai fait qui est très complet, qui parle, voilà, si j'ai des dettes, les découvertes, le dette, comment je prends les bonnes habitudes, tout ce dont j'ai parlé, mais de manière encore plus détaillée. Voilà. Génial. Donc tout sera en description. Allez voir ça. Merci beaucoup, Bettina, aussi pour ces cadeaux, pour ta générosité. C'est juste magnifique. Est-ce que tu aurais un mot pour conclure cette masterclass? Qu'est-ce que tu aimerais dire pour terminer à ceux qui nous regardent? Je voudrais dire à vous qui me regardez, je voulais vraiment insister sur le fait que ce dont je parle, c'est pas des paroles, c'est du vécu moi-même, mais c'est également des gens que j'ai vus le vivre et en sortir. Et je veux vous dire, je veux vraiment créer une once d'espoir en vous. Je veux vous dire que peu importe votre situation, peu importe ce que vous avez fait avant, vous pouvez plus rien faire pour ce qui est fait avant. C'est passé, mais vous pouvez décider que demain, il le sera autrement. Donc vraiment, je vous invite à oser rêver à nouveau, à oser croire que c'est possible et à vous... Allez, dites-vous, voilà, Bettina, je vais essayer, je tente, je me donne le défi de le faire. Dans tous les cas, vous n'avez rien à perdre. Au pire, vous serez comme avant, au mieux, vous serez encore davantage mieux qu'avant. Vous voyez, donc vraiment, osez, passez à l'action et voilà. Donc, suivez-moi également sur mes réseaux sociaux. Je poste des messages au quotidien. J'ai également une newsletter où j'écris des messages toutes les semaines, des conseils, des idées. Voilà, donc c'est très actif et très, très convivial et très authentique. Voilà.
Merci Lingen. Merci Bettina, c'était un régal. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Et puis, bah, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et bravo en tout cas encore pour ce que tu fais, c'est important. Ciao, ciao, au revoir tout le monde. Merci à toi Lingen. Merci. Ciao. Merci.